Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je vais vous montrer.
Pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de faire cette action de donner du sang à la population? Nous avons décidé de faire cette action de donner du sang. Aujourd'hui, c'est pour pallier au problème de manque de produits de sang qui se trouve dans le centre de santé en cas d'accident et de maladie. Donc, moi, le Wiki a essayé cette action situelle pour aider les uns et les autres. Et pourquoi cette action est que vous... compatriotes sont actuellement dans la détention que vous, vous avez décidé de faire cette action dans le sang de la population. C'est pour montrer au monde entier le caractère patriotique, le caractère d'amour pour le Mbonimbouké a pour le char humain. Depuis que Mbonimbouké est créé, nous sommes dans le domaine d'action sociale et humanitaire. Donc, nous profitons de cette action de don de sang pour encore lancer un appel à la libération de nos camarades qui sont encore en détention d'après la série de données, à savoir Joseph Ezra, Mersenne Kokoroko, qui les deux font plus de 5 mois en prison, et Bob Atiko qui fait 2 mois en prison. Nous exigeons leur libération parce que nous sommes tous des citoyens engagés pour la cause de l'humanité. Donc, je ne vois pas pourquoi on doit les enfermer là-bas. Si vous arrêtez sur cette action bien pour vous, vous allez continuer encore quelque chose encore les jours à venir. Nous menons beaucoup d'actions. Par exemple, nous avons décidé chaque année de donner du sang. Nous avons dénommé cette action mon sang pour le pays. Donc il y a plein d'actions que nous faisons, des actions de transformation, de conférences, d'instabilité publique, par exemple à la CHIAS. Donc, il y a beaucoup d'actions à venir que nous allons faire à l'endroit de la jeune. Comme bientôt, ce sera pendant les vacances, nous pouvons organiser des tournois de football, de sensibilisation, beaucoup de formations en agri-business pour la jeunesse togolaise. Merci beaucoup. De rien. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.